Tuning Moteur de Persévérance, c'est 8 jeunes apprentis, 2 mécanos d'expérience et leurs acolytes, un projet ambitieux et seulement 15 semaines pour le réaliser. L'objectif ultime, transformer une carcasse d'auto en une réplique de la voiture de course du pilote Sam Posey. Mesdames et messieurs, démarrez vos engins, car Tuning Moteur de Persévérance commence à l'instant. Journée numéro 4 au garage, donc on fonctionne à équipe réduite, il y a deux jeunes qui sont pas là cette semaine. Donc comme vous pouvez le voir, on a installé des nouvelles pièces à l'avant du véhicule, on a fini les ailes arrière, on est en train d'élargir celle d'en avant et on doit refaire la roll cage. Pour savoir pourquoi, eh bien vous devez écouter la capsule. Tuning moteur de persévérance, ça commence maintenant. On voulait commencer à souder l'intérieur, mais on a eu beaucoup de misère avec une porte. Celui qui a passé en avant de nous avait soudé les ajustements de porte par en dedans, mais c'était quasiment pas visible. Okay. Quand j'arrivais pour ajuster la porte, là, ils sont venus les jeunes, essayer de placer la porte en levant, ça marchait pas partout. La semaine dernière, on a travaillé plus au niveau du plancher parce que justement, là, on avait pas. On avait recommandé du nouveau tuyau qui est arrivé juste cette semaine. Puis là, on a eu le bon tuyau, fait qu'aujourd'hui, on recommençait le roll cage. Parce que le tuyau qu'on avait eu n'était pas du bon diamètre, comme je t'expliquais tantôt. Fait que ça nous permet d'expérimenter encore plus le pliage des tuyaux. Tout. L'autre fois, on l'a fait avec ça. Regardez la différence. Ça, c'est du 1 pouce et demi. Finalement, il fallait la faire en 1 pouce ou 3 quarts. Ouais, hey, veux-tu me passer en entrevue? Ouais, hey, Maxime. Oui. Hey, coudon, c'est ça qu'il va avoir sur le char? Pratiquement. Ça va y ressembler pas mal. Je pense qu'il manque un peu d'auteur, mais tant qu'à l'argent, c'est pas mal ça. Ah oui, en arrière, ça? Ouais. Je vais donner un petit coup pour le mettre noir. Ils sont à leur premier cours de soudure, puis c'est aussi simple que hein, la soudure. Ça proche, je fais ce bouton. Ça proche, je fais ce bouton. Attention aux étincelles, par exemple. Hey, Jérémy, t'as-tu soudé un peu? Ouais. Première fois? Ouais. Comment ça se passe? Ben, c'est cool. C'est cool? Ouais. Genre, ben, c'est cool. Ça fait des étincelles. OK. Ouais. Puis c'est compliqué de voir dans le masque puis de souder en même temps? Juste non. Non? De souder trop loin. T'es prêt à relever n'importe quel défi, là? Ouais. Mais c'est comme le bâton. Pour régler le tir. Là, t'as-tu déjà soudé, toi? Non. Non? Ben, mets-moi le casse, là. Parce que le prochain, c'est toi, puis on va te surveiller. T'as compris? Tu vas bien passer. Mais là, lui, c'est trois premiers temps qu'ils ont l'enfer. Là, on est allé dans le plus dur un peu. C'était un petit peu plus ardu, mais on va essayer ça là. Checkez bien ça. Non, non, il vient d'échapper son dentier, là, mais ça va. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, t'arrêtes pas de regarder les jeunes feuilles. Es-tu bon, es-tu pas bon? Viens-t'en, mon homme, on va te montrer ça. Tu vas souder, toi, ici. C'est ça, je vais être poche. Tu vas m'apprendre à souder, toi. Ouais. Hey, tu t'es donné toute qu'une mission. Défi accepté.
comment je m'y prends? Je mets ça là, puis je pèse, puis j'arrête? C'est quoi? On va y aller basic, là. Tu te mets un demi-pouce, la tôle. Puis quand tu te lances, quand ton feed commence à sortir, tu vas bouger ta poignée de haut en bas d'à peu près un 16, là, tout le temps en t'en allant. Puis on fait seulement une petite pause de rien. Parce que sur la tôle, ça va faire gondoler. OK? Ouais, t'as fait toute une barre, là, t'es champion. Hey, regarde, laisse-moi au moins ma chance. On commence. Vois comme j'ai beaucoup changé. Là, je l'ai eu, celle-là. Ben, c'est un nice sac. Puis comment ça a été ta première expérience de soudeur? Ah, regarde, je trouve ça difficile, pareil. On sous-estime ce métier-là puis cette tâche-là effectuée. La soudure, c'est vraiment un art, là, puis c'est pas donné à tout le monde, et surtout pas à moi. Puis c'était-tu le fun? Ah, c'est vraiment le fun, par exemple. C'est trippant parce qu'on voit la progression, on s'améliore coup après coup, surtout quand lui m'aide. Mais c'est sérieux, c'est tough. C'est vraiment tough. Je vous comprends, jeune, je vais arrêter de vous écœurer. Je vais arrêter. Alors, oublie ça, je suis vraiment en poche. Ne m'engagez surtout pas pour un projet de soudure parce que c'est à vos risques et périls. Puis il n'y aura pas de garantie. Non, t'es très bon. T'es très bon. C'est juste qu'on veut faire notre travail. Nous autres, depuis ce qu'on fait, des affaires à part des autres, mieux que ça. C'est comme ça, tu sais, des chars comme ça, il y en a pas bien ben, des reproductions de ça, il y en a peut-être 7-8 là, dans le monde là, à l'heure actuelle, puis il reste le vrai qui est encore en marche. Et je trouve que ça, c'est un beau projet, mais c'est constructif, les jeunes. On fait du carton, on fait toutes sortes d'affaires, on se fait des pièces, on découpe ça en carton, on essaye ça, quand ça fait, on le fait en tôle. Après ça, on le soude, puis là, quand ils partent le soir, ben là, les deux ans en arrière étaient faites. Puis là, si la caméra me lâche, on va avoir le temps de finir les deux ans en avant. C'est parce puis là, c'est ça. Ouais, non, mais... Je te comprends tellement parce que moi aussi, je suis plus à l'aise à faire des entrevues que de la Suzu. Ouais, on a vu ça tantôt, tu fais bien de continuer. Voilà, c'est ce qui complète la capsule tuning de cette semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé ma chemise de travailleur. Puis c'est pas parce qu'on a cette chemise-là qu'on a le mérite de bien travailler, parce que c'est vraiment difficile. Puis je l'ai appris à la dure, à mes dépens. Comme vous pouvez le voir au garage, il y a du bruit, la bonne humeur règne, il y a une très belle ambiance. Puis on voit que les apprentis mécanos sont de plus en plus engagés dans le projet, puis surtout plus familiers avec les outils. Puis ça, c'est vraiment un bon signe parce que le projet va avancer de plus en plus vite. Alors voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la semaine prochaine. Enfin comme ça. Parfait. On est en train de réparer une petite imprévue.